Dag kijkers, welkom bij Z Franchising. Voor zelfstandige ondernemers die een eigen zaak willen uitbouwen, biedt franchising vele voordelen. Straks gaan we kijken bij de groep Les Mousquetaires, bekend van onder meer de Intermarché-winkels. We vroegen ook aan vicepremier en federaal minister van Economie, Chris Peeters, welke voordelen hij ziet in het franchising-systeem. Zelfstandige ondernemers zijn al vele jaren heel belangrijk voor onze economie. Niet alleen omdat zij werkgelegenheid creëren, maar ook omdat zij in bepaalde sectoren heel nadrukkelijk aanwezig zijn. En zelfstandig ondernemerschap is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze economie verder in een positieve zin ontwikkelt, omdat zij heel belangrijke actoren zijn naar de innovatie, naar de sectoren waar business to consumer zeer belangrijk is. Het franchise systeem is denk ik ook een business model dat in de toekomst nog verder kan groeien. Waarom? Omdat dat de zelfstandige ondernemers de mogelijkheid geeft om zeer innovatief in te spelen op de vraag van klanten en cliënten. En dat zeker in bepaalde sectoren, ik denk maar aan de supermarktsector, daar het aantal franchise-nemers sterk is toegenomen. Het probleem of de uitdaging is ervoor te zorgen dat er een duidelijk evenwicht is tussen de rechten van de franchisegever en van de franchisenemer. Dat is heel belangrijk om dit businessmodel dat een toekomst heeft ook de ruimte te geven om te groeien. De voedingsdistributie is in België nog steeds een groeiende sector. Dat is onder meer te danken aan het succes van de franchiseformule. Dat merken we onder meer bij de groep Les Mousquetaires. Alors aujourd'hui, il y a 80 points de vente, donc répartis entre deux enseignes, l'enseigne Intermarché Contact, qui sont des points de vente d'une superficie allant de 400 à 900 mètres carrés, et des Intermarchés Super, qui vont d'une superficie de 900 à 2500 mètres carrés. De franchiseformule bij Les Mousquetaires onderscheidt zich van andere groepen door het systeem van co-directie. Daardoor worden franchisenemers nauw betrokken bij het beleid van de groep. Chez nous, chaque franchisé a un rôle dans la co-direction de l'enseigne, c'est-à-dire qu'elle en assume la gestion deux jours par semaine, principalement le mardi et le mercredi. Chaque franchisé s'engage dans le pilotage du groupe sur le plan national et international. Ce système de co-direction est pratiqué à tous les niveaux, tant au niveau des achats, de la vente, que du marketing, que de la formation, que de la logistique. Ainsi, tous les franchisés appelés chez nous adhérents sont en permanence associés aux décisions stratégiques de l'enseigne. Franchising overeenkomst houdt in dat de ondernemer die één of meerdere winkelpunten uitbaat, kan terugvallen op een sterk merk met een bewezen formule. Maar in dit geval voegt de groep er nog een extra dimensie aan toe. Via onderlinge uitwisseling van ervaringen. En effet, chaque adhérent peut s'appuyer sur l'expérience collective pour faire progresser son entreprise individuelle en restant solidaire des autres franchisés. En d'autres termes, chaque chef d'entreprise est indépendant dans ses choix et ses décisions, mais il se doit aussi de tenir compte des intérêts du groupement, ce qui crée indéniablement chez nous et entre nous des liens forts et durables d'interdépendance. En effet, chaque chef d'entreprise est à la fois propriétaire de son point de vente ou de ses points de vente, mais en plus, il est copropriétaire du groupement. En réalité, la totalité du capital de notre société, la société Les Mousquetaires, est détenue par les adhérents actionnaires, que nous nommons chez nous adhérents associés. Le but étant que chaque décision, qu'elle soit opérationnelle ou stratégique, se décide par nos adhérents connaissant la réalité du terrain et non pas par des investisseurs extérieurs au groupement n'ayant bien souvent qu'une vision financière de l'entreprise. Les Mousquetaires wil de komende jaren zijn winkelnet in België verder uitbreiden. Het ziet nog heel wat mogelijkheden. Nous recherchons chez nous des chefs d'entreprise prêts à s'investir dans leur projet de reprise ou de création d'un intermarché. Nous avons chez nous trois critères essentiels de recrutement. Le premier, c'est le candidat doit répondre à une expérience professionnelle significative. Il doit avoir un âge compatible avec un emprunt bancaire pour financer son projet sur une durée moyenne de 10 ans. Et enfin, le candidat doit pouvoir justifier d'un apport personnel en bien propre d'un montant minimum de 100 000 euros.